Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va installer un ciel étoilé dans la Audi A8. Car je trouve, vu que c'est une grosse berline de luxe, et il lui manquait une petite option qu'elle n'a pas. Et je me suis dit pourquoi pas l'installer sur la A8, car j'ai vu sur internet que les Rolls-Royce l'ont d'origine. Et que sur pas mal de modèles, on pouvait le faire nous-mêmes. Ou le faire faire par un professionnel. Mais le problème, c'est que chez le professionnel, faut compter un peu plus de 1000 euros. Et encore, je suis gentil. Car l'option chez Rolls-Royce, elle coûte pas loin de 15 000 euros. Et pour le faire par un pro en France, faut compter plus de 1000 euros, voire 1500, 2000, selon le modèle, selon le nombre de fibres que vous voulez mettre sur votre véhicule. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un pack complet de 390 fibres sur internet qui m'a coûté aux alentours de 50 euros et je me suis lancé dans une opération folle qui m'a pris pratiquement un week-end. Donc j'ai passé plus de 12 heures de travail, donc franchement c'est quand même un peu compréhensible de payer de plus de 1000 euros pour ceux qui ne savent pas le faire. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui moi je fais ce tuto pour tous ceux qui veulent le faire eux-mêmes et éviter de payer une grosse somme. Voilà, et puis en même temps ça vous fait bricoler un peu sur votre véhicule et ça vous fait apprendre de nouvelles choses. Donc moi c'est ce que j'ai fait sur mon véhicule, donc je vais vous montrer en gros où ça va se passer. Donc moi je vais faire un ciel étoilé sur tout mon plafonnier qui est de couleur marron, mis à part la trappe du toit ouvrant. Donc voilà, je vais installer des fibres optiques. Comme vous pouvez voir à l'instant, donc c'est un kit qui a. Vous pouvez choisir le nombre de fibres, donc ça peut aller de, je dis une bêtise, de 50 fibres à plus de 1000 fibres. Donc moi sur mon A8, je me suis dit aux alentours de 400, ça devrait le faire car c'est très fin. Et du coup, à l'arrière, il y a pas mal d'espace où on peut bien compacter toutes ces fibres. Donc ce qui est cool, c'est que sur ma berline, vu qu'elle est noire avec intérieur marron, je trouve que ça va vachement lui aller, ces petites étoiles sur le plafonnier. Et vu que je fais des mariages, comme vous l'avez vu dans la description de ma chaîne et les clips que je fais, ça pourrait être pas mal pour les futurs mariés qui se projetteront directement dans la lune. Donc allez, c'est parti, on va se retrouver au garage. Donc il y a plusieurs étapes pour faire ça. Donc en premier, il faudra démonter le plafonnier. Ensuite, faire des points de marquage pour pouvoir percer vos petits trous avec un forêt très très fin. Ensuite de ça, passer les fibres, mettre de la colle, laisser sécher 24 heures et après, il n'y a plus qu'à remonter le tout et vous aurez un ciel étoilé sur votre véhicule. Et ben allez, on se retrouve au garage et je vous dis à tout de suite. Je vais éteindre mon plafonnier. Donc rentrons dans le vif du sujet. Moi, mon plafonnier, pour pouvoir l'enlever, comme vous voyez, il est droit, mais pas à partir de la porte. Donc là, vous avez le montant de porte et moi, il est juste ici. Donc en fait, il est vraiment droit. Il est vraiment droit, comme vous pouvez voir. Donc il va tout droit comme ça. Et il s'arrête comme ça. Et il repart droit comme ça, comme vous pouvez voir. Donc pour pouvoir démonter un plafonnier, donc faut enlever tout ce qui va être lumière plafonnier, par soleil. Là, faudra passer un tournevis plat, faire déclipser ce petit support. Là, d'éclipser le cache en plastique, à mon avis, d'avoir une vis derrière. Tout ça également faudra déclipser. Le rétro, il vient avec. Ça aussi,
ça vient avec. Pour ce qui est des quatre poignées, donc à mon avis, là-dedans, ça se déclipse. Soit il y a des vis, soit c'est clipsé. C'est les quatre pareils. Voilà. Là, pour accrocher la petite chemise, il y a un petit vis. Il y en a un de chaque côté. Là, c'est juste le cache de l'airbag, pour dire qu'il y a un airbag. Et ensuite, pour le tout ouvrant, à mon avis, ça doit se tirer. Ouais, ça se tire. Et pareil au niveau du pare-brise. Donc, eh ben, allez, je vais démonter tout ça et je vous reprends juste après. Ah oui, j'oubliais. Faut enlever le plafonnier lumineux arrière. Et je crois qu'il y a une vis qui est derrière aussi. Donc voilà ce que c'est la fibre optique. Donc vous voyez, il y a plein de fibres optiques. Voilà, donc je vous montre en gros qu'est-ce que c'est. C'est plein de petits filaments, comme vous pouvez voir. Il y en a 390, je sais, on dirait pas, c'est vraiment très très fin. Ensuite, dans le kit, donc, vous recevez une télécommande pour pouvoir l'allumer, l'éteindre, changer les modes de couleur. Et il faut savoir que celui-ci, il est doté de l'option Bluetooth. Donc, je pourrais changer les couleurs via mon téléphone. Donc, la pièce principale, c'est ça. C'est le variateur. Donc, c'est vraiment petit. Ça fait même pas 10 cm. Donc, en gros, si un jour, j'ai un souci avec la fibre optique, c'est pas en soi les fibres optiques qui vont causer problème. Parce qu'on va se dire, il y a 400 fibres, si les 400 lâches ou il y en a une ou deux, c'est pas ça qui va merder. C'est vraiment ce qui envoie la couleur, c'est ça. Donc cette pièce, il faut la mettre à un endroit très accessible, donc dans le montant de porte, voilà, comme ça, facile à démonter. Et si elle casse ou si elle marche plus, vous n'avez plus qu'à la commander. Et en fait, là, vous vissez là, vous vissez, et après, c'est tout neuf. Donc il y a la télécommande, là, il y a le port allume-cigare. Que vous branchez directement sur le variateur, donc voilà, c'est une prise comme ça, très simple. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc comme vous voyez, j'ai branché la fiche sur le variateur à l'allume-cigare. Vous avez une petite diode en rouge qui s'allume pour dire que le courant passe. Ensuite, vous prenez votre télécommande. Faut savoir, dans le kit, la pile n'est pas fournie, donc soit vous mettez une... Attendez, je mets la netteté. Le focus, voilà, soit vous prenez une CR2025 comme moi j'ai pris, ou une 2032. En fait, il n'y a pas de différence, c'est juste la différence d'épaisseur, sinon c'est la même pile. Donc moi j'ai pris une CR2025 en marque Duracell, voilà, de la très bonne qualité. Donc maintenant, il vous suffit simplement d'appuyer sur on, et voilà. Vous voyez, comme je vous disais, c'est le variateur qui envoie la lumière à toute la fibre optique. Et ce qui est bien, c'est quand moi je vais les installer, il faudra les faire dépasser un petit peu du plafonnier et ensuite pouvoir les couper, soit avec une pince coupante ou un coupe-ongle. Et la lumière restera toujours au bout du filament. Vous voyez, ça éclaire vachement fort. Je vais essayer de vous en montrer un seul. Vous voyez, ça fait un point blanc. Donc, on a du blanc, vous pouvez mettre du rouge, du vert, du bleu, du orange, du violet, du jaune. Voilà, il y a pas mal de couleurs. Ensuite, vous pouvez faire des flashs. Voilà, ça change tout seul. Là, ça change de couleur. Donc, on passe du vert au bleu. Ça fait vraiment tout seul. C'est vraiment top. Donc, moi, je vais principalement utiliser l'application Bluetooth, comme vous pouvez voir dans la vidéo actuellement. Donc c'est l'application My Smart LED. Et ça, c'est au cas où c'est en secours. Donc voilà, vous l'éteignez, vous le rallumez, on l'éteint, on rallume. Et il y a aussi l'option pour baisser l'intensité. Voilà, là j'ai baissé. Et là j'augmente. Vous voyez ? J'augmente, je baisse. Donc voilà, pour ce qui est du produit,
Donc maintenant, le plus intéressant pour vous, c'est comment l'installer. Et ben allez, je vous montre tout ça à la suite de la vidéo. Voici les outils nécessaires pour pouvoir installer les fibres optiques. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir un foret en 0,75 mm, donc c'est vraiment très fin. Donc j'ai acheté ce petit kit sur internet qui va de 0,3 à 1,6 mm. Donc moi j'ai pris le 0,75 car c'est du 0,75 dont j'ai besoin. Voilà, donc c'est très fin. J'ai mis le foret dans ce petit outil pour pouvoir percer. Donc je pense que je vais l'utiliser en vitesse 3 et faire plein de petits trous. Voilà, quand vos trous seront faits, à la fin où vous aurez passé les fibres optiques, il va vous falloir les coller une par une. Donc moi j'ai pris du silicone anti-moisissure, voilà, donc ça fera l'affaire, voilà, ça collera, et bien prendre du transparent. Donc moi j'ai pris du transparent pour que ça maintienne. Après vous pouvez mettre du scotch, mais voilà, pour faire plus propre j'ai pris du silicone comme ça. Vous pouvez prendre de la Sika, ça dérange pas du tout. Donc là, j'ai tiré le rétroviseur et le fil, il passe entre le cache et là. Donc, quand on enlève le plafonnier lumineux et qu'on tire sur le rétroviseur, on a deux vis ici à enlever. Voilà. Une vis qui est dedans, c'est la vis de ça. Donc là, comme vous pouvez voir, je vous montre quelques scènes de démontage. Donc là on est au niveau de la lumière arrière, donc il y aura deux vis à enlever. Et voilà, le plafonnier est prêt à être enlevé. Il n'y a plus rien, plus de lumière, plus de plaque à l'arrière. Il faut tout descendre. Une vraie galère. Du coup je vais devoir percer les trous dans la voiture directement car j'arrive pas à le sortir par la porte arrière. Franchement, j'ai pas envie de le plier pour le casser. Donc voilà. Donc là, il y a une vis qui est sur le placard. Elle va là et j'ai la petite agrafe qui va à gauche. Et ben allez, c'est parti. Donc ça y est, c'est parti. Les fils, ils sont là. On va aller faire des points avec le feutre sur le plafonnier et après on perce. Ensuite, vous passez vos fibres une à une en les laissant bien dépasser. Petit test pour voir l'effet que ça fait. I can't do nothing better.
than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your songs are right, songs are right, girl. I want nobody but you. 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 Ensuite, il faudra mettre de la colle ou du silicone sur tous les points de fibre optique que vous avez fait et vous laisser sécher pendant 24 heures. Comme ça, ça permettra à la fibre de bien rester en place et de ne pas repasser par l'intérieur du plafonnier. Et voilà, 24 heures après, toute la colle a séché, donc il vous restera plus qu'à mettre des rizlans pour assembler au maximum vos fibres optiques et pouvoir remonter votre plafonnier. Donc comme vous pouvez voir, j'ai attaché avec des rizlans le maximum de fibres pour qu'elles restent toutes bien en place et assemblées. Et ensuite, vous faites passer votre câble allume-cigare dans le montant de porte. Vous réinstallez votre plafonnier et voilà le résultat. Mais ça sera quand même beaucoup plus joli quand tout ça sera coupé. Donc maintenant, il vous restera plus qu'à couper à ras le plafonnier avec un coupe-ongle ou une pince coupante. Donc moi, j'ai laissé quand même dépasser légèrement de 1 à 2 mm pour être sûr qu'elle ne rentre pas dans le plafonnier. Mais bon, avec tout le silicone que je lui ai mis, ça a très bien collé. Donc voilà. Et vous faites ça sur toutes vos fibres. Comme vous pouvez voir, franchement, le résultat il est vraiment magnifique. Donc là, je suis au maximum de la luminosité. On peut régler l'intensité, changer de couleur comme vous l'avez vu. Voilà. Après, franchement, le rendu en vrai, il est vraiment, vraiment magnifique. Bon, après, je préfère laisser sur le blanc neutre. Voilà, sur le blanc directement. C'est vraiment super beau. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, je suis content de mon travail et de pouvoir vous partager ça. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez installer un ciel étoilé. N'oubliez pas de vous abonner sur le compte Instagram, de suivre tout ce qui se passe un peu sur Instagram et de pouvoir savoir pour les prochaines vidéos. Donc comme vous pouvez voir, hein, moi j'utilise la télécommande, je préfère. Mais après, on peut tout aussi bien utiliser le Bluetooth sur le téléphone. Donc là j'allume, j'éteins, j'allume. Donc on peut vraiment tout choisir, les couleurs. Je pense que c'est super beau. Regardez-moi ça. Ça lui va vraiment bien dans la 8. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé.
de cette installation de dingue. Voilà, j'ai passé vraiment plus de 12 heures de travail. C'est vraiment super joli, je suis content du résultat. Regardez, même en journée, on s'en aperçoit. Voilà, c'est vraiment vraiment super beau. Le travail de fou qui a été fait, c'est vraiment un travail minutieux. Faut vraiment avoir la motivation. Donc moi je l'ai eu, ça m'a pris tout un week-end. Hein. Donc comme je l'ai dit, il y a un petit moteur que j'ai mis pas loin du plafonnier, donc juste ici derrière. Et là, ça vient comme ça. Il y a un câble qui passe tout le long du montant de porte. Et après, vous faites passer la prise allume-cigare sous votre tapis et directement à l'allume-cigare. Et voilà, la vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse admirer une dernière fois les magnifiques fibres optiques. Franchement, c'est vraiment classe. Donc là, mes plafonniers sont éteints. Il y a juste les fibres allumées et ça éclaire vraiment fort. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous préférez vous et si vous comptez le mettre sur votre voiture. Donc merci encore pour le visionnage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao! I've been searching.